Hello à tous, c'est Gabi, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver à l'instant présent. On va regarder un petit peu les messages que je peux te faire passer. Donc prends bien juste ce qui te parle, ce qui ne te parle pas, tu le laisses bien évidemment. Et tu prends juste le message qui est lié, d'accord? Alors ici on a quoi? On a direct notre empereur, on parle ici de procédure, hein, d'un peu de conflit au niveau de cet empereur. De ton empereur. Donc, je t'invite à penser très fort à cette personne. S'il y a personne, bah, pense à la personne qui arrive et on y va. Allez, cette personne qui arrive. Alors, c'est une personne qui a envie de discuter avec toi, qui a envie de quelque chose d'assez profond, qui a envie de te donner des vérités, j'ai envie de te dire. Ouf. Alors, on parle ici de joie, de célébration. Mais lors de cette joie et de cette célébration, ça peut être une sortie. Ben on te dit de faire attention aux personnes qui parlent mal, aux disputes qui serviraient à rien, aux trahisons et tout et tout. On voit que tu es tracassé et par rapport à tes tracas, on te demande ici de patienter. D'accord? De patienter. Chacun son tour, c'est comme à la balançoire. On te parle ici d'un coup de chance au niveau du travail, une ouverture qui s'annonce, ou alors un déplacement, hein, d'accord? Un déplacement. On est tracassé par une femme autour de nous, ou alors c'est ton intérieur, ta petite flamme, hein, qui est tracassée, ton âme, d'accord? On parle ici d'un cadeau qui arrive. Ça peut être aussi au niveau d'une relation charnelle. Ok, allez, on y va. Une pour mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. S'il te plaît. Une pour la personne qui pense très fort à elle. Donc, c'est une personne qui a très envie de te rejoindre. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche aussi une solution. C'est quelqu'un qui a beaucoup de clairvoyance. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes de justice. C'est une personne, en fait, qui a envie de dévoiler ses sentiments. D'accord? C'est quelqu'un qui a très envie de te rejoindre. On parle ici d'une joie, d'une ouverture. Une troisième, s'il te plaît. Ouais, et on parle que c'est avec certitude. Allez, une autre personne. Ici, on a quelqu'un autour de toi qui est mélancolique, a beaucoup de tristesse par rapport à toi. Tu es beaucoup dans ses pensées. C'est une personne aussi qui a envie d'être dans un endroit un peu paisible. D'accord? Mais c'est une personne qui est très, très, très amoureuse de toi, qui a envie d'une renaissance avec toi. D'accord? Tu es beaucoup dans sa tête. C'est quelqu'un qui est très fort dans le mental. C'est une personne qui a besoin de se retrouver dans un coin paisible. Pour toi, on parle de relation charnelle, d'accord? Donc, à mon avis, bah, il y a des choix au niveau du love, d'accord? On voit quand même qu'il y a des relations intimes qui arrivent, ok? Bon, allez, pour mon impératrice, encore, la personne qui me regarde, on voit que tu as du chagrin, Bon, on a quand même malgré tout une grande protection sur ce que tu envisages, mais on voit quand même que tu es chagriné. Tu es chagriné par des problèmes un peu d'ordre charnel, hein. Peut-être qu'il y a des rééquilibrages à faire et que ça te pose problème. Une petite dernière, s'il te plaît. Là-dessus. Bon. C'est ta foi qui te protège de toutes les personnes malveillantes autour de toi. On te demande aussi de te protéger au niveau des liens intimes, ok? Tant que c'est pas ton mari ou quoi, ok, tu te protèges. Parce qu'il peut y avoir une énergie tierce avec ton empereur. Bon, allez, cet empereur ici, c'est une personne où on va faire des sorties. Hein, on va peut-être tomber les masques. Il y a une sortie qui s'annonce avec une personne dans ta ville, proche de chez toi. C'est une personne qui va t'inviter à sortir. Une petite dernière, s'il te plaît. Ouais, et on te dit que c'est le message. Peut-être une sortie lors de la nuit,
un rendez-vous lors de la nuit dans ton bâtiment, dans ta ville, dans ton quartier, avec un monsieur ou une dame, hein, d'accord? On va t'ouvrir les portes pour que tu puisses y aller. Et je pense que c'est d'ordre de la nuit. C'est une personne qui a besoin de te dévoiler des choses, de te dire des choses, hein, qui a peut-être aussi envie de te parler de ses intuitions et de ses sentiments. Cette personne ici aussi, que tu es dans ses pensées. Ok. Donc c'est quelqu'un qui est très connecté à toi, déjà, ce que je peux te dire. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune. Une petite dernière. C'est une personne qui rêve d'une victoire avec toi, qui garde espoir avec toi, qui a envie de se retrouver dans un endroit calme, en vacances avec toi. Mais on a le cœur un peu perdu. Cette personne a le cœur perdu. Peut-être qu'il se sent seul, hein. Tu es beaucoup dans ses pensées et on parle d'un messager, d'une communication qui arrive pour toi, malgré que tu es tracassé comme ça à ce point. Ok, donc je vais prendre celui-ci avant pour avoir d'autres petits messages. Allez, pour la personne qui me regarde. La loi au niveau d'un amour. On ressent très très fort les choses, hein. On a beaucoup de clairvoyance, on sent les accusations que reçoit notre autre. On sent qu'il y a de la justice, on sent qu'il y a un rééquilibrage. Ouais, dans une maison, on sent aussi de la projection, on sent des regards. Allez, pour mon impératrice ou mon empereur. Pour cette personne-ci et pour cette deuxième personne. Oula. Eh bien. Alors, mon impératrice, on voit vraiment que tu es dans un carrefour de ta vie, hein. Tu dois vraiment prendre une solution. On voit que tu as du chagrin, hein, tu as de la tristesse par rapport à des sournoiseries, par rapport à des choses qu'on ne dit pas. Ça t'empêche pas de garder la foi et on te dit ici que tu vas avoir une illumination qui va te donner l'opportunité de choisir réellement ta voie. Ici, on a les enfants. Donc, on peut y voir une sortie avec les enfants. On peut y voir aussi que tu as un choix au niveau aussi des enfants. Ça peut être en rapport aussi avec tes enfants. Peut-être que tes enfants ont leur mot à dire. Ici, on a un homme. Donc, peut-être que les trois sont liés. Ouais, on a l'hérédité, hein, tu vois. Donc, ça peut être vraiment. Ça peut être par exemple le père de ton fils ou le père de tes enfants. Ça peut être aussi ta flamme jumelle ici, je ne sais pas. On a quelque chose qui vient de l'étranger, de quelqu'un qui se sent enfermé. Allez, pour mon impératrice ici. Une petite deuxième. Pour cette personne ici qui arrive, hein. Ça peut être aussi quelqu'un, tu vois, que tu as connu dans le passé, qui était comme un enfant, et que au jour d'aujourd'hui, ça devait être un homme, que cette personne a grandi énormément. Waouh, la joie, les félicitations, les mariages, les unions. Ouais, et c'est en train de se travailler, hein, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Je pense que c'est quelque chose que tu as vraiment très envie. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec toi, mais ça fait partie de ton film. Allez, mon impératrice, te voici. Donc voilà, tu as vraiment véritablement un choix à prendre au niveau de ton arbre, au niveau de ta généalogie et au niveau hérédité. Donc c'est vraiment ça. Tu dois prendre un cas, tu dois prendre une décision par rapport à toute cette tristesse que tu as là. Cette personne ici, on voit les enfants, on voit la maison, on voit un cadeau qui arrive et c'est quelqu'un qui se projette, hein, qui se projette avec toi. Il peut se projeter au niveau des enfants, ça peut être aussi quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Une autre pour mon impératrice ici. Et si tu as un homme ici, ben c'est ton impératrice, hein, évidemment. Et on parle ici de quelque chose qui doit prendre fin. Ouais, il y a une des deux relations ici qui doit prendre fin, tout simplement.
Ici, on doit avoir des compromis avec cette personne qui se projette à travers toi. J'ai l'impression que tu es comme un cadeau. Et il n'a qu'une envie, c'est de te rejoindre, par exemple, toi et tes enfants, ou alors ton enfant intérieur, vous vous discutez. On a besoin de négocier des choses avec toi. On a besoin de te parler pour te parler, te voir pour te parler, le retour. Donc ça peut vraiment être un homme qui aujourd'hui a grandi, hein, d'accord? Ça peut être totalement le vrai homme, hein, ton vrai empereur. Et ici, on a la naissance de quelque chose, la naissance de quelque chose de bien. Lorsqu'on aura vraiment, avec le verdict et la culpabilité, ainsi que l'étranger, une fois qu'on aura réglé des problèmes de distance, j'ai quelqu'un ici qui culpabilise, hein, je pense que cet autre culpabilise face à toi, par rapport à son retard, pour ce retour ici. Le retour des discutations, le retour aux communications. Ok. Bon, j'espère que tu as eu déjà des premiers petits messages. Hop là. Bon, là, on voit vraiment qu'il y a du tracas. On se pose des questions. On ne sait pas trop, en fait, hein. Allez, on rêve de la naissance de certaines choses, on rêve à la naissance de notre vie, on rêve de la naissance d'un projet, de quelque chose de nouveau. On attend la loi. On attend que la loi divine se mette en place pour pouvoir être en joie. Voilà, le verdict, hein, qui revient pour mon impératrice ou mon empereur. On a des réunions, on a des choses qui vont t'apporter un changement, c'est comme un cadeau. Hein, une fois qu'on va, il y a un verdict et après on va en discuter et ça va être un cadeau. Le verdict, c'est la jalousie, hein, sur toi, mon impératrice. Hein, bah ça, c'est comme si, voilà, on te juge. Bon, voilà, hein, la réunion. C'est au niveau familial, donc ça peut être ça, hein, ça peut être des réunions, des discussions au niveau de la famille. C'est ça, des paroles, des blablas. De toute façon, on voit la naissance de quelque chose, mais on te dit fais attention aux trahisons, quoi. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a la naissance de ton travail. En fait, ça fait partie de ta destinée. Et regarde ce qu'on a ici. On a des contrats avec ton homme. Des contrats au niveau charnel, au niveau de ton homme, d'accord? Et je pense bien ici que c'est ton miroir magique, donc c'est ton double. On se ressent, on se voit. On a besoin, en fait, ici, d'avoir des compromis. On a besoin clairement de se parler ici. Et on parle de victoire. Plutôt joli. Ok. Donc, moi, je vois bien quelqu'un qui est en train de travailler sur la naissance, de toi. Ouais, ça a mis du temps, c'est quelque chose d'assez. Ça peut être même être intemporel. Quoi qu'il en soit, c'est la victoire, d'accord? Cette trahison, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Comment? Quoi? Qu'est-ce? Ok, ta trahison au niveau de ta tranquillité par rapport à une séparation, d'accord? Cette jalousie. Des contrats, des personnes qui signent, des papiers, des gens, tatati, tatata, et on a encore une nouvelle fois la culpabilité, hein. Donc, je sais pas. C'est comme s'il y a eu un cadeau donné et en fait on se sent coupable, on essaye de te culpabiliser sur tes contrats. En fait, on est jaloux, hein. Là, clairement, on est jaloux de ton évolution. Une petite dernière, s'il te plaît. Un message d'aide. Le retour de quoi? Quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui voyage, ton toi, ton toi, ton toi, ton double, ton toi. Donc on voit un nouveau travail et la naissance de quelque chose que tu as mis beaucoup de temps à le faire. Pour la trahison, ben on voit qu'en fait c'est la trahison sur une séparation, d'accord? Donc bon, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? C'est pas grave, hein? Pas grave quoi.
On te demande peut-être de te séparer des personnes que tu sens un peu trahissantes. Tu vois ce que je veux dire? Allez, pour mon impératrice ici, ou la personne qui me regarde, une coupe. Allons-y pour une coupe. Waouh! Bah écoute, super beau, hein, la grande prêtresse et la tempérance. Donc j'ai une femme ici qui... J'ai une femme ici qui... Comment dire? Bah qui est en paix. Qui est en paix, qui cherche la paix. Qui cherche des solutions à certains blocages dans sa vie. Une personne qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de pouvoir en elle. Ouais, c'est une personne, une guérisseuse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, comme je te l'ai dit. On a la force et le 4 de bâton. Donc, un engagement, une construction. Essayer de se sauver ici. Hein, et essayer aussi de comprendre les choses du passé pour pouvoir avancer au niveau du futur. En tout cas, de l'instant présent. Allez, pour mon impératrice ou mon empereur qui me regarde, s'il te plaît. Ici. Et cette trahison au niveau de la séparation. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore la 4 de bâton et la 8 de bâton. Donc ici, tu vas recevoir des nouvelles. Il y a comme une porte qui s'ouvre pour toi pour que tu puisses accéder en fait à ton bonheur. D'accord? Il y a comme une élévation ici, hein, d'accord? Une belle élévation, la construction, la solidité de quelque chose que tu as très envie et ça arrive à toi. Ouais, c'est quelque chose qui est pour toi. Les annales akashiques et l'étoile. Eh bien, ça, si ce n'est pas magnifique, on a quelqu'un de très spécial ici. On a quelqu'un de très spécial qui a un pouvoir immense, qui est là pour nous donner l'espoir, pour te montrer à quel point le monde est vaste et à quel point tout est possible. Ah oui, là, vraiment, il y a quelque chose de très beau au niveau des annales akashiques et l'étoile. On a comme une... comme quelque chose, tu vois, qui remonte à la surface et qui va nous donner un petit peu la lumière, qui va nous donner des pistes, qui va nous donner bah, la lumière. De ce côté-là, au niveau de la trahison, hein, on a un cavalier de cristaux avec la tour. Donc, ça peut vraiment, véritablement être quelqu'un qui a voulu te trahir, quelqu'un qui veut te trahir, mais on a la tour. Donc, voilà, il y a une séparation entre le bien et le mal ici. Clairement, tout simplement, c'est la tour. Ça veut dire que voilà, le... Regarde, cavalier d'épée, reine de cristaux. On peut voir quelqu'un qui observe, mais il va y avoir comme une séparation, en fait. Tu vois, avec les personnes un peu bizarroïdes qui voudraient un peu embêter ta tranquillité. Allez, ce 8 de bâton et ce 4 de bâton, donc on parle de nouvelles qui t'arrivent. Ça peut être au niveau de la naissance d'un projet, du travail. Ça a mis du temps. C'était le temps que tout se mette en place. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme troisième carte? Le 9 de bâton. Pourquoi ce retard? Dix de bâton. Un voyage, un déplacement qui met un peu de blocage, un peu de retard. Un déplacement qui met un peu de retard pour le travail. C'est un travail spirituel. Il y a un petit peu de blocage. Bon, bah peut-être qu'on attend, on attend quelque chose, on attend un signe. Hein, on attend un signe pour pouvoir construire. Hein. Voilà, c'est ça, 3 de coupe, hein, pour être dans la construction. Allez, ces annales akashiques et l'étoile, là, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Une troisième. La tempérance, la paix. Quelque chose qui va nous donner la paix. 8 de cristaux. On travaille.
On garde espoir. 6 de cristaux. On retrouve notre énergie. On retrouve notre pouvoir, j'ai envie de te dire. 10 d'épée et l'impératrice. Oh là là. Donc, mon impératrice, là, on est dans quelque chose d'assez rapide, quelque chose d'assez imminent, quelque chose qui s'arrête pour mieux revenir. Le magicien. J'ai bien l'impression, mon impératrice, que tu es en train de comprendre certaines choses. On te dit que c'est imminent, c'est rapide. J'ai l'impression que tu comprends que tu es une étoile, que tu comprends que tu as les dons en toi. Et que maintenant, il faut juste faire le choix du cœur. Voilà, il faut sortir de certaines illusions. Une petite dernière, s'il te plaît, pour lui donner de l'aide. Cavalier de coupe. Et 4 de coupe. Pourquoi ce 4 de coupe? 4 de cristaux. Bah ici, moi, j'ai bien la sensation qu'on attend quelqu'un. Voilà, j'ai bien l'impression qu'on attend quelqu'un, qu'on est plus dans une sorte d'attente, attente de son empereur, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Et de retrouver aussi notre, notre élévation, j'entends. Allez, cette tour ici. Chant l'empereur, c'est trop bizarre. La page d'épée, donc c'est quelqu'un qui prend des informations. La reine de cristaux et le roi de cristaux. On a un couple ici. On a des informations qui viennent et qui viennent sur un couple. La neuf de coupe. Un couple qui a de l'espoir. Bon, bah écoute, hein. Et le 2 d'épée dans un conflit mental. On ne sait pas trop où on doit aller. On ne sait pas, on n'a pas de réponse ici. Pour un couple, on n'a pas de réponse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un couple, il y a des informations. Et que ça va nous éclaircir. Même si on est dans un genre de conflit mental, on a quand même des espoirs. Et ces espoirs, c'est d'être ensemble. Ouais, on a besoin d'être ensemble. On a besoin de prendre un choix ici. D'accord. Bon, elle est où ma reine? Ma reine de cristaux. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est comme si, tu vois, tu vas être en couple ou tu es en couple et puis qu'on voudrait bien te séparer de ton double. En tout cas, j'ai deux personnes avec beaucoup de dons spirituels, beaucoup de générosité, des personnes qui sont bien, quoi, tu vois. Allez, pour ce roi, la roue de fortune, très jolie. Donc, pour ton autre, ici, on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement au niveau de son cœur. Il y a quelque chose qui bouge au niveau de son cœur. On va lui donner des signes. On va lui donner de quoi se nourrir. Pour mon impératrice ici, la reine de cristaux, on voit que tout est éclairé pour toi. Tu ne fais plus que un en fait avec ton toi. Une pour l'impératrice s'il te plaît. Le roi de coupe. Ah ouais? 2 de coupe, 4 d'épée, 5 d'épée. Donc ici, on ressent un manque. On ressent un gros manque. On est très, très triste. On dort par rapport à un autre roi. Par rapport à notre roi de cœur. On a peut-être besoin d'être avec cette personne. Mais est-ce que cette personne, est-ce que c'est lui, là, ce roi de cristaux? Est-ce que c'est un autre? Une pour le roi de cristaux, s'il te plaît. Waouh, l'as de coupe. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Le 10 de cristaux. Waouh, waouh, waouh. Et le page de cristaux. Donc, c'est quelqu'un qui va te donner des nouvelles déjà.
On parle de quelque chose de très beau, un accomplissement familial, un accomplissement de tout en fait. Et cette personne ressent beaucoup d'amour pour toi. Et je pense que c'est peut-être ça en fait que tu cherches. Tu cherches aussi que cet homme ici qui ressort un peu, tu vois, comme un homme qui donne pas trop d'éléments sur ses sentiments. Peut-être que tu as aussi besoin que cet homme il se transforme en roi de coupe hein, pour te donner vraiment ce que tu as besoin pour te relever. Hein, parce qu'on voit quand même que tu es en mode tristesse. Tu dors. Il y a un endormissement ici. Voilà, par rapport à une trahison, hein, la 3 d'épée, quelque chose qui a été fait, qui n'a pas été sympa et que tu gardes au fond du ventre maintenant. Ouais, et en plus, j'ai bien l'impression, mon impératrice, que tes projets, en fait, t'annoncent vraiment beaucoup d'abondance, ok? Malgré cette trahison ici, là, qui est arrivée à toi sans que tu demandes. Allez, cette as de coupe, 8 de cristaux. C'est une personne qui travaille sur son cœur, qui travaille sur ses sentiments. Waouh, tu es son étoile, hein. Tu es son étoile et il travaille là-dessus. Il a envie aussi de te parler. C'est une personne qui prend des renseignements. Ouais. Oula. C'est une personne, je t'ai dit, qui prend des renseignements sur toi. Pourquoi cette page d'épée? La justice. Bon, il y a quelqu'un qui prend des informations sur toi par rapport à je ne sais quoi, pour être juste avec toi. Par amour, en fait, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui a très envie de te parler d'amour aussi, hein, de te dire à quel point il t'aime. Une autre sur les amoureux. 6 de cristaux. Ouais. On a besoin d'être avec toi pour, en fait, être pleinement dans nos énergies, quoi, hein. Malgré tout ce retard, hein, on a le monde, hein, donc on nous parle de quelque chose de puissant. Donc vraiment, moi je sens quelqu'un de très amoureux et qui a besoin d'être avec toi parce que tu es son étoile, parce qu'il a besoin d'être avec toi, tout simplement. Ok, hein. On a la paix. Alors, on a encore le 9 de bâton hein, qui nous parle d'un peu de retard, un peu de blocage. Ouais, comme un peu de blocage. On a le 8 d'épée, donc on parle ici d'un conflit mental. L'impératrice, la 7 d'épée. Donc, moi, j'ai une impératrice ici qui va se rendre compte des problèmes qu'il y a autour d'elle. C'est une personne ouais, qui va se rendre compte des choses pas cool autour d'elle, des personnes aussi qui voudraient la bloquer. C'est une personne qui va énormément travailler sur elle. Et elle va mettre un blocage par rapport à toutes ces trahisons, toutes ces choses, tous ces mensonges, tous ces trucs. Elle va mettre une séparation entre elle et les autres pour se protéger. Pour se protéger. Voilà, à 5 d'épée. Pour se protéger des choses bizarroïdes autour d'elle, quoi. Regarde-moi ça. 9 d'épée. Il y a quelque chose de très spirituel ici. J'ai une impératrice qui sent les choses, qui sent que ça ne va pas. Ouais. C'est une personne qui veut une impératrice qui va faire les choses avec amour.
Ah oui, au niveau de ses souhaits, au niveau de son cœur, au niveau de sa tristesse, tout ce qu'elle a vécu, c'est une personne qui va faire jouer les énergies. Allez, une dernière pour l'impératrice, s'il te plaît. Et puis pour le 9 de bâton, l'étoile. Donc on a une personne étoile ici, une femme, une impératrice ou un empereur avec énormément de pouvoir, qui sent les choses, qui au niveau de sa tête a tous les éléments pour faire changer la donne et pour mettre un terme à certaines choses, hein. Donc il y a des choses qui vont prendre fin et c'est assez imminent. Ça peut vraiment être d'ordre, elle va recevoir quelque chose d'extraordinaire et ça va l'aider pour faire des choses au niveau des annales, au niveau mondial, au niveau des annales akashiques. Il y a quelque chose qui va se passer avec une impératrice, d'accord? L'as de cristaux, c'est une impératrice qui a un grand pouvoir. Je pense que ça, c'est d'ordre un peu au niveau de ce qui se passe dans notre monde. Il y a quelqu'un, un empereur ou une impératrice, qui va rentrer en mode, qui va sortir en elle ce qui doit être sorti et qui va remettre de l'ordre à tout ça. Ouais, elle va peut-être laisser sortir son roi de cœur, hein. Il y a peut-être aussi un homme ici dans les émotions qui va lui venir en aide. Ouais, c'est ça. On va travailler ensemble, hein. Il y a un roi et une reine qui vont travailler ensemble de tout ce qui arrive à eux. Ce 4 de Kiss Cristo, là, s'il te plaît. Waouh, la sérénité. On va retrouver la sérénité, la paix et le cœur. Et c'est une femme, hein, qui va mettre terme à toutes ces choses un peu difficiles qu'il peut y avoir dans nos vies. Alors, si tu as des craintes sur tout ce qui est d'ordre de tout ce que tu vois dehors, d'accord? On te dit qu'il y a la victoire, donc on ne s'inquiète pas. L'as de coupe, hein, c'est la grande victoire. Et regarde ce qu'on a ici, on a l'empereur. L'empereur avec sa force, hein. D'accord? Donc l'empereur n'est pas tout seul. L'empereur va gérer les choses qu'il y a à gérer. S'il te plaît. Y a comme une unification de deux êtres. Tu vois, c'est imminent, hein? C'est très rapide. On va rejeter toutes les mauvaises énergies qu'il peut y avoir autour de nous, ça va disparaître. Regarde ce qui revient, l'empereur, hein. C'est l'empereur qui va mettre terme à tout ce qu'il y a de néfaste, hein. Il y a comme un éclaircissement au niveau mondial. Le 2 d'épée, au niveau de nos conflits, au niveau de notre ce qu'il y a, ce qui se bagarre dans notre tête, les gens qui sont autour de nous qui. Voilà, hein, voilà. Et toujours l'empereur avec la force, ça veut dire sa force, son double, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, en fait, il va réussir à mettre un terme à tous les conflits mentaux. Pour l'instant, on est en train de réfléchir à comment, du pourquoi, le comment, du comment. Mais bon, moi, je te dis, c'est assez imminent. C'est assez imminent. La graine d'étoile. Ouh là là, si c'est pas joli ça. Bon, il y a quelqu'un qui arrive pour nous sauver ici. Hein, à grande vitesse, à très grande vitesse, toutes les trahisons, toutes les sournoiseries. Voilà, ça peut être aussi ton empereur qui ressent un peu de tristesse, hein, vraiment très fort dans le mental par rapport à des mensonges, des trahisons qu'il y a eu. Donc on a un empereur ici qui est triste et qui a besoin de gérer ces problèmes-là. Le roi de cristaux, hein, c'est le roi qui a le pouvoir. Le 3 de bâton. Alors, ces conflits mentaux, c'est regarder au plus loin, de voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Appeler aussi, être en prière pour appeler aussi peut-être le Sauveur. Et qui va nous donner un engagement solide, qui va nous donner vraiment force et sagesse pour pouvoir investir nos propres vies, investir vraiment ce qu'on doit investir, notre vie, notre monde. Une sur la graine d'étoile. Oh là là, regarde-moi ça. C'est la grande prêtresse qui revient. C'est un rétablissement de l'ordre, hein, d'accord?
Donc là, soyons dans le bien et rien que le bien, parce que voilà, c'est le retour de la grande prêtresse, hein. C'est le retour de la graine d'étoile qui va remettre tout en ordre. C'est une femme qui va remettre tout en ordre, avec son masculin, bien évidemment. Ouais, on a des perspectives d'avenir, il y a une perspective de choses qui arrivent sur Terre et c'est comme une harmonisation, tu sais, une harmonisation, quelque chose de doux, une compréhension des choses. Et on parle ici de patience, que la personne arrive. Que la personne se réveille, qu'elle prenne des décisions, décision d'avancer, de prendre son pouvoir d'hiérophante, de prendre son pouvoir de grande prêtresse. Bon, moi je te dis, c'est très positif, donc on ne s'inquiète pas, ça c'était un petit clin d'œil, une petite, voilà, une vérité parmi tant d'autres pour te dire, ne t'inquiète pas, tout est bien, qui va finir bien. D'accord? Deux de coupe, as d'épée. Des vérités, des choses très très belles. Qu'est-ce qu'il voudrait nous dire, cet empereur? Je te quitte, tu m'attires comme un aimant. Donc on est en mode séparation, mais on est attirés l'un et l'autre comme un aimant. Il y a, voilà, il y a peut-être une rupture, mais malgré tout, il y a de l'alchimie, il y a une fusion magnétique entre vous. Pourquoi? Ben, peut-être à cause d'un serpent, à cause de jalousie, de l'hypocrisie, de la traîtrise, de la médisance. Hein, on peut parler d'un contrat, des choses importantes, mais qu'il y a un serpent et qu'on te demande de patienter parce qu'il est peut-être pas seul ou et elle n'est pas seule. Allez, cette séparation avec un homme, on parle de nouvelles, de paix et de sorties romantiques. Donc, il y a des sorties romantiques qui s'annoncent avec un homme, mais tu es quand même tracassé. Alors, peut-être que c'est cet homme, il y a une autre femme qui va révéler ses sentiments. Et on parle de certitude. Donc, peut-être que cette séparation, c'est parce qu'il y a une tierce, hein, d'accord? Et qui a révélé ses sentiments, je ne sais pas. Bon. Ici, il y a un blocage, il n'y a rien qui avance au niveau de cette retrouvaille. Hein. On parle de papiers importants, de choses officielles, et il y a du chagrin. Vous n'êtes pas ensemble, mais vous êtes protégés, mais il y a du chagrin. À cause des mauvaises paroles et à cause des procédures juridiques, à cause des conflits avec ton empereur. Il y a une élévation. Ouais, une renaissance, un changement au niveau de cet homme et de cette femme. On parle d'une hésitation de sentiment, on hésite, mais il y a un début de relation. Et on est tracassé. Bon, bah moi, j'ai vraiment la sensation qu'avec ton glow, il y a des choses qui sont en train de se travailler par rapport à cette séparation. Une au milieu, on te parle d'un messager de communication qui arrive avec un autre monsieur qui va peut-être te donner des messages, hein, qui va te, je sais pas, hein, des messages de là-haut, quoi. Qui va te donner des rêves prémonitoires, par exemple, hein, qui va te dire, voilà, ça c'est ta réussite, ça c'est pas ta réussite. Voilà, choisis avec amour et avec cœur, hein. De toute façon, il y a, bon, on te dit de garder la foi par rapport à cette séparation. Il y a un temps de pause, il y a des vacances qui s'annoncent, c'est un cadeau. Bon, bah, je crois que tout est dit, hein. On est en mode séparation, mais malgré tout, on est quand même attirés l'un vers l'autre. Ça peut être aussi au niveau charnel, voilà, une liaison vraiment, vraiment au niveau charnel, tu vois. Il y a des temps de fête qui s'annoncent à la maison, un bien-être à la maison. Il y a une nouvelle rencontre aussi qui arrive, qui va te donner la joie, une élévation. Ça peut être aussi au niveau de ton autre. Hein. On a besoin de parler ici, mais c'est un peu stérile. Bon.
Ben, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin, d'accord? Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin parce que là, je pense que les énergies, en fait, c'est quoi? C'est la séparation. Même si on est attiré comme un aimant, ben, ça ne nous empêche pas de ne pas être ensemble, d'avoir rupté, d'accord? Il faut retrouver un peu une sorte d'harmonie par rapport à toutes ces mauvaises paroles, peut-être à cause d'une tierce, d'accord? Sur qui tu es tracassé, quelqu'un qui parle très mal, on te dit que c'est le message. C'est une personne qui va bouger, hein, qui va bouger pour son propre avenir. Elle a les pensées retournées, elle pense aussi à une autre femme avec un jeune homme. Et par rapport à mon impératrice. Et mon impératrice, on te parle de communication qui arrive peut-être avec un homme. Tu vas avoir un coup de foudre. Hein? Tu vas avoir un petit coup de foudre. Enfin, un petit coup de foudre, je dirais plutôt un grand coup de foudre. On parle de conflits, mais qui vont t'apporter quand même la victoire. Hein. On parle d'un rééquilibrage au niveau des amis, peut-être au niveau juridique, parce que tu as le cœur qui bat. Bon, ben voilà, il y a un début de relation qui arrive et on te dit que tu es protégé. Tu es protégé face à ces chagrins. Bon, ben franchement, je pense que c'est tout parce que l'énergie, c'est la même. C'est un peu la séparation. Il est un peu tristouné, tu vois. Bon, attends, ça me dit un autre truc, donc on va le faire. Ça sert à rien de ne pas écouter. Qu'est-ce qu'il aimerait nous dire? Cette personne, dans quel état d'esprit il est plutôt? Oula. Allez, c'est quelqu'un qui travaille, qui cherche un petit peu à faire des trucs, à retrouver son énergie. On parle aussi de financier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, enfin, qui essaie de trouver déjà des réponses hein, pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui est dans un genre de conflit mental par rapport à un blocage. Il y a un blocage qui le rend zinzin. Ah oui. Il y a un amour ici. Il y a un grand amour. Il y a quelque chose de beau. Ouais, il y a quelque chose de beau. Mais attention parce qu'on risque de d'observer ton bonheur. Allez, qu'est-ce qu'il voudrait nous dire cette personne? Allez, qu'est-ce qu'elle aimerait nous dire? Bon. C'est une personne qui a très envie de t'envoyer des messages. Pardon, des messages. C'est quelqu'un qui a des espoirs, c'est quelqu'un ouais, qui y a des choses hein, à creuser, il y a des choses à faire, mais on voit un blocage. On voit que c'est une personne qui se protège énormément. Ouais, on voit du retard. Peut-être qu'il balance des énergies de communication, mais que les communications n'arrivent pas comme s'il y avait quelque chose qui bloque. On a le roi d'épée. On a le 5 de denier, donc c'est un homme très froid. Et on peut voir la justice hein, qui est autour de lui, mais c'est une personne qui en manque, hein, qui en manque et qui se trompe. Ben ouais, 5 de coupe, donc une tristesse énorme par rapport à des choses du passé, par rapport à quelque chose du passé. Peut-être cette reine ici, hein. J'ai entendu Jeanne d'Arc. D'accord? Le fou. Le fou qui revient ou la folle qui revient. Enfin non, c'est pas ça. Hein. Pas du tout même. Ouais. C'est cet empereur-là, il est triste par rapport à un engagement. Hein. D'accord? Par rapport à un engagement, par rapport à ma reine, par rapport à toi. Tout simplement. Parce qu'il y a une tierce. L'a bloqué. C'est quoi son sentiment d'être bloqué par rapport à cette femme? Et toi, tu as l'abondance, hein, tu as aussi la guidance spirituelle, tu as vraiment quelque chose de spécial. Il peut avoir de la colère, ça peut être quelqu'un qui vraiment t'observe. Enfin, je le vois comme ça, hein. Il attend juste que la roue tourne, il attend juste de te retrouver.
Et j'entends d'autres choses, mais bon, eh bien, écoute, cette carte-là va le dire à ma place parce que je suis trop pudique pour le dire. Voilà ce que cette personne rêve, simplement. C'est une personne qui rêve de te retrouver. Eh bien, c'est bien que la lumière elle soit là, hein. Voilà, parfait. T'as compris? C'est une personne qui a très envie, ben, de s'unir au niveau spirituel avec toi. C'est pas quelqu'un qui a envie de faire des choses à la légère. Pas du tout. Parce qu'il sait aussi que tu es une femme très pure et que t'es protégée et il sait certaines choses et c'est pour ça qu'il va pas oser. Hein, voilà, le pendu, hein, c'est une personne qui bloque. Ouais, c'est une personne qui bloque. Mais quand même quelqu'un qui a besoin d'être avec la personne de son cœur. Ouais, c'est ça. Transformation. On change ici. On change et on trouve des solutions parce qu'il faut prendre la meilleure des solutions. C'est dans son cœur. Bon, ben voilà. Je pense que tout est dit. Comme le début, c'est des histoires un peu liens intimes, liens charnels. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. 10 de coupe, on a besoin d'être avec l'amour de notre vie ici. D'être en harmonie, en osmose, hein, même si c'est un roi d'épée, même s'il ne parle pas, même s'il fait style qu'il est. C'est un homme sérieux. Oui, sérieux. Mais si tu vas lire dans ses pensées, c'est autre chose. C'est plutôt autre chose. C'est quelqu'un qui rêve d'abondance quand même. Hein. C'est quelqu'un qui rêve de réussir, hein, même si ce n'est pas facile pour lui. C'est quand même quelqu'un qui rêve de réussir. Bon, allez, on me dit que la lecture est finie. Donc, je dois vous laisser mes petits choubidous. Je vous aime très, très fort. N'oubliez pas que vous êtes à la bonne place. Quoi qu'il arrive, même si vous êtes quitté, même si ceci, même si cela, ne t'inquiète pas, c'est fait pour soit que vous travaillez, soit aussi parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour toi. Et si c'est le cas, et on te dit que c'est avec certitude, tu dois avoir le cœur et les yeux ouverts. C'est très important. Parce que tu peux te dire dans quelques temps, oh là là, punaise, heureusement que ça m'est arrivé, ça, oh punaise, heureusement ceci, parce que tu es sur ton chemin de vie, évidemment, et que tu ne peux pas être sur un autre chemin de vie. Non, tu vois, il y a des choses qui vont être dévoilées, ça avance tout doucement, il y a des relations qui sont en train de se mettre en place, et ça arrive plutôt vite. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, à part ça, rien, je vous aime. Bisous, bisous.